Salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, on se retrouve sur le Nürburgring pour voir ce que cette petite bête, la Jagdgeier, je sais pas si vous connaissez, 261 chevaux les gars et environ 370 Nm. On va voir ce qu'elle vaut sur le Nürburgring et on comparera également son temps en réel en track day. C'est parti les amis. Merci de vous abonner à la chaîne. Donc les gars, nous voici au Nürburgring à bord de la Jagdgeier. Un petit ronflement plutôt pas mal les gars. Et direction la piste. Voir ce qu'elle a dans le ventre. Voilà. Regarde, est-ce que vous êtes déjà parti au Nürburgring? Mettez-moi un message dans les commentaires et c'est parti les gars. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Ceci est une vidéo amateur, les gars. Vous êtes toujours là parce que là je pense qu'on devrait, on est plutôt pas mal hein. On voit une petite bombe cette voiture les gars hein. Dites moi dans les commentaires si vous avez déjà conduit une Jagdgeier, mais franchement on est sur assez tôt comme ça, je pense que vous l'avez reconnu les gars. Front 6, on est à 2,35, mais bon pour un 3 cylindres 2,35 plutôt pas mal les gars. Très bon châssis, franchement. Et bien évidemment, on ne fera que un tour du Nürburgring les gars. Ce qu'elle a dans le ventre et de passer un bon moment ensemble les gars. Bon, une note sur 10 pour mon pilotage les gars. J'espère avoir moins 6 sur 10 hein, parce que là je me donne à fond les gars hein. Tout ça pour vous hein. À la vie, à la mort. Hein. Mmh.
les gars, dites-moi, vous êtes plutôt team PS5 ou team PC? Dites-moi dans les commentaires. Moi perso, c'est team PC. Hein. PS5 j'aime bien, mais les gars, PC c'est la vie. Hein. Donc si vous pouvez vous le permettre, les gars, bon PC gamer, ça fait toute la différence. Bien sûr, je sais que pas tout le monde peut l'avoir, je sais les gars, mais... Mais si vous avez une femme qui vous aime, elle vous achètera votre PC gamer les gars, faites-moi confiance. Franchement, ce 3 cylindres, les gars, il est totalement magnifique avec une précision dans le châssis. Faut aller chercher haut dans les tours les gars, mais une fois atteint les 7000 tours, je pense qu'il est difficile de la rattraper hein. Dans les commentaires si vous aimez bien mon pilotage les gars, et nous allons franchir la ligne d'arrivée qui se trouve actuellement ici les gars. Les gars, on va se positionner où on était. Donc les gars, on se retrouve pour le temps 7:27. Comme vous pouvez le voir actuellement, 7:27:091. Et donc les gars, nous allons voir le temps sur le Nürburgring en réel avec le frérot en direct du Nürburgring. On va voir son temps. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, 7:28. Donc moi j'ai fait 7:27 au Audi Sport, donc voilà, 7:39 les gars, le temps.